Apollo 18. Chante. Salut, c'est Sergio Polo. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour la sortie de mon nouvel album. Là, nous sommes en studio, en ce moment, en studio Mélissa, à la porte de Montreuil, chez Jackie Reagan. On est en train d'enregistrer. J'ai le texte de la chanson en main, donc je suis venu mettre les voix définitives. L'arrangeur et toute la grande équipe et moi sommes en train de préparer beaucoup de merveilles. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. Parce que comme vous le constatez, je suis occupé, je vais chanter et à très bientôt. J'ai vu toute qualité de nana, j'ai touché plein de goûts dans ma vie. Mais dès que je t'ai touché ici, j'ai compris c'est toi qu'il me fallait. Et dès que j'ai goûté, c'est dans ma vie. Yo t'aime, yo t'aime, il fait pourquoi bien t'aimer trois fois? Bon t'aimer c'est bien t'aimer, bien t'aimer, bien t'aimer. Bon t'aimer c'est bien t'aimer, bien t'aimer. Voilà, c'est ça. Tiongo, c'est ça. De la série Guimet. Voilà, d'accord. Goûté à ton amour, j'ai tout de suite eu envie de te faire un bébé, Suzy. Suzy de ma vie. Bien t'aimer, bien t'aimer, bien t'aimer. Bien faire les mains, ouais. Bébé, Suzy, Suzy de ma vie. Il est sorti. Yo t'aime, yo t'aime. Les filles, ouais, ouais. Ah ouais, les jambes, ouais, les jambes. Hey. Rien qu'à humer l'odeur de ton parfum, on est plus près de mourir. Ton balcon est tellement bien bâti que quand tu marches, ça danse un peu. C'est tout ce qui me rend amoureux, Suzy. C'est tout ça qui me séduit en toi. À Suzy du haut, Suzy de mon cœur. L'autre, non, l'autre. Le milliardaire. Là, ouais. Non, pas celle. Mais dès que je t'ai touché. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Ouais. Un poil. Plus. Plus. J'ai fait le gros dans ma vie. Et dès que je t'ai touché, je suis ici. J'ai compris, c'est toi qu'il me fallait. Et dès que j'ai goûté à ton amour, j'ai tout de suite eu envie de te faire un bébé. Ah, ça te concerne, ça dit que j'ai vu tout ça, le valet des gars. J'ai touché plein de gros dans ma vie. Et dès que je t'ai touché, je suis ici. J'ai compris, c'est toi qu'il me fallait. Et dès que j'ai goûté à ton amour, j'ai tout de suite eu envie de te faire un bébé. Suzy, Suzy de ma vie. Yo t'aime, yo t'aime, yo t'aime. Sur ma poitrine, tu te reposeras. De faire comment on appelle ça, l'octave de la fonda, oui. Fais l'harmonie. Et je te garderai pour moi. Baka est là? Bien, sauf hey, ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Souffle un peu, je t'explique ici. Et je te garderai pour moi. Et je te garderai. Non, elle fait d'abord comme ça. Et je te garderai. Et maintenant, elle va faire une. Elle va faire la. Elle va doubler en haut. Elle va faire une harmonie. Où elle sera en haut. Et ça va faire une bonne couleur. Et je te garderai. Pour moi.
m'aimes à moi. Je sais pas comment toi tu as chanté ça, mais... Penseras-tu vraiment à moi? You, moi j'ai fait you, à moi tout seul, toi tu peux trouver deux mots, deux autres. Non, là, on peut s'en faire maintenant, là. On prend la suite, il y a une suite. Mais si tu ne le dis pas. Quand seras-tu vraiment à moi? Après tout ça, elle enchaîne le chant. Le chant n'est pas fini. Mais voilà, donc on continue sur le chant. Seras-tu même à moi? Pam, pam, une. Pam, pam, une, deux. Quand seras-tu vraiment à moi? Pam, pam. Quand tu écoutes le bam, bam, c'est pour t'introduire le chant. Quand seras-tu vraiment à moi, chouchou? À moi toute seule, pour enfin vivre l'amour. Quand il fait au micro, il fait bien. C'est ça? Ouais, ouais, pour enfin vivre l'amour, faut accentuer. Quand seras-tu vraiment à moi, chouchou? Pour enfin vivre l'amour. Dis, mais quand alors? Ouais, parce que l'autre est court. Essentiellement, comme tu sais le faire. Pour enfin vivre l'amour. Pour enfin vivre l'amour. Ouais, ça va être bon. Mais là, ça va être bon. Il va corriger. Voilà, nous sommes en studio, au grand studio Mélissa, chez Jackie Reguin, avec le grand sorcier Mouté, avec Barbara Kana, pour un grand duo, hein Barbara? C'est le duo de l'Afrique, hein? C'est le duo de l'année, c'est le duo de l'Afrique, le grand Sergio et la diva Barbara Kana. Pour le Cameroun et pour l'Afrique. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Amour pour la vie avec le Cameroun, on est ensemble. Amour à deux, amour à vie. Amour à vie. Merci. Amour à vie, c'est pour l'éternité. Amour à deux, amour à vie, on s'unira plus que jamais. Amour à deux, amour à vie, c'est pour l'éternité. Amour à deux, amour à vie, on s'unira plus que jamais. Merci pour ce que tu m'as donné. Toi la Gabonaise, pourquoi je t'ai vu Wombo? Pourquoi je t'ai rencontré? Je suis allé me balader dans le pays de Léomba, le pays des Gabonais. Quelque chose m'a marqué. Les nanas sont jolies là-bas. Luma, Berlusconi, Porfirara. Je suis allé me balader dans le pays d'Omar Bongo. On dit le pays des Gabonais. Quelque chose m'a marqué. Les nanas sont gentilles. Jean-Jacques Maï, Africa numéro 1, écoute ça. Robert Bazar. Si les maisons étaient moins chères là-bas, j'aurais acheté une villa pour y vivre et épouser une Gabonaise. Mais pourquoi je t'ai rencontré, maman? Allons, Bakélé. Tony Ndumba, le grand Gabonais de Lyon. Salue-moi tous les Camerounais de la gare routière à Libreville. Si les maisons étaient à mon niveau, j'aurais acheté une villa pour y vivre et épouser une Gabonaise. Mais pourquoi je t'ai rencontré, maman? Allons, Bakélé. Yabo, pour le Rombé, ne relanché. Yaganaga, Mimo Sergio, pour quel inonero, Yorisa. Maman, oh, j'aime ce pays. Maman, oh, j'aime le Gabon. La Gabonaise m'a attiré. À nos
Emmanuel Point 2 danse mon ami. Pour l'instant, dit coller de mon pot sous la monnaie. Pour carrément, la tête sous. Il y en a un balai dans la mer, vous savez. Il est le Merci, vous avez fait plaisir, vraiment, merci. Évitez de se les fatiguer trop, inutilement. Plus exactement. Oh, c'est bien. Vous êtes des bons vieux. On est bons, c'est, bah, c'est comme ça qu'on dure. Parce que vous êtes vieux. Non, non, parce, qu'on fait attention à nos oreilles. Ah, d'accord. Bon, ok. La musique commence quand on sait faire silence. Et le monde du silence nécessite que l'on fasse un chemin pour y accéder. Et quand on y arrive, on ressent les choses tellement belles qu'on n'a pas besoin de ces apparats. Amen. Donc, le volume est un apparat. Je sais plus qui a dit. Après un morceau de Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart. Et l'écho est silencieux. Ok. Donc, vous êtes dans le spiritualisme musical. Voilà. Hey, on peut